Salut, moi c'est Louis-Paul, je suis capitaine au bateau parisien, donc je transporte des passagers en bateau sur la Seine à Paris. Mon métier à proprement parler, c'est d'être capitaine de bateau, mais ça n'implique pas que la conduite, il y a aussi tout un aspect technique. On propose des croisières restauration, des croisières promenade d'1 heure, mais aussi un service hop-on, hop-off, les passagers peuvent monter et descendre à volonté pendant 24 heures. Je vais vous en profiter pour vous montrer les différentes parties du bateau. Là, nous sommes dans le salon principal, situé au milieu et à l'avant du bateau, donc où les clients peuvent s'installer pour profiter de la croisière. Nous avons également un pont supérieur qui offre une vue panoramique sur Paris et les différents monuments. Et je vais en profiter également pour vous montrer mon bureau, à la timonerie du bateau, donc l'endroit où de là où on contrôle le bateau. Bienvenue dans mon bureau. Pour le démarrage du bateau, on a plusieurs choses à vérifier. Donc, dans un premier temps, on va vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Donc, dans le moteur, on vérifie le niveau d'huile. Et on vérifie les heures moteur ensuite. Donc là, on va faire la première manœuvre de la journée. Donc on va juste avancer le bateau jusqu'au ce qu'on appelle le poste 3 afin d'embarquer les clients. Donc je vais écarter gentiment l'arrière du bateau pour que le matelot puisse relâcher les amarres et puis on va avancer gentiment. Sur le fleuve, il faut faire preuve de grande vigilance. Donc là, je freine avec un des propulseurs et en même temps, j'oriente le bateau vers le point d'amarrage qui est un petit peu plus loin. Mon métier, c'est un métier d'action. On a des responsabilités, on est le seul maître à bord.